Waouh! Bonjour frère, ça, comment allez-vous? Aujourd'hui nous sommes chauds, nous allons faire des choses hors du commun. Si vous avez peur mes frères et sœurs, des trucs comme les démons, comme les anges, ben, regardez la vidéo suivante parce qu'aujourd'hui nous voulons ouvrir quand même les yeux aux gens. Ah! Parfois même les choses sont là, mais les gens refusent de voir. L'amour de l'argent a aveuglé beaucoup de personnes. Si vous avez bien regardé les vidéos précédentes, nous avons montré une vidéo où il y a un homme qui s'est rendu sur un marabout pour que ce marabout là lui fabrique des portefeuilles magiques ou des calebasses magiques, des valises magiques. Et ce dernier arrive là et le marabout lui dit que tu sais, nous allons faire la cérémonie et puis le génie va autoriser que le portefeuille magique produise de l'argent. Ah, sérieux? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Bon, si vous n'avez pas entendu, si vous n'avez jamais vu ça, vous allez voir cette vidéo. À la fin de cette vidéo, si vous restez jusqu'à la fin, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo. Bien, aujourd'hui nous avons envie d'aller plus loin et vous montrer certaines choses et vous parler de quelque chose de vraiment important. Il s'agit tout simplement d'un rituel. Premier élément, vous devez savoir que un rituel, c'est une cérémonie à laquelle va participer le diable ou l'un de ses démons, même plusieurs de ses démons. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive sur le féticheur pour faire les trucs comme les cérémonies ou quoi que ce soit, dès que le féticheur ou le marabout commence à lancer les courriers et tout, c'est parti comme ça. Et lors de cette cérémonie-là, un démon peut apparaître ou plusieurs démons peuvent apparaître. Même le diable même peut venir là parce que vous êtes dans un autre monde. Si nous ne vous montrons pas ces images, vous allez penser que c'est ta blague. Si nous ne vous montrons pas ces choses, vous allez penser que ce sont des histoires. Mes frères et sœurs, soyez prêts. Regardez même ça. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ce truc? On voit quoi? Des bougies. Sérieux? Des bougies? Eh bien oui. La plupart du temps, quand vous arrivez là-bas, il y a des bougies rouges. Et il y a toutes sortes de bougies bizarres qu'on ne voit pas fréquemment à la boutique. On ne voit pas, on ne voit même pas à la boutique. On ne sait pas dans quel marché ils vont acheter de tels trucs. Mais c'est un truc comme ça. Et on nous parle ici par exemple. Rituel de magie blanche. Du genre, on vous dit que c'est une chose qui est bonne et autre. Ah! Pourquoi est-ce qu'on appelle ça la magie blanche? On appelle tout simplement la magie blanche parce que ça vient de chez les blancs. C'est une sorcellerie qui vient de chez les blancs. Donc cette magie-là vient de chez les blancs. La magie noire, c'est censé être une magie qui est liée aux Africains. La sorcellerie, on voit même ça partout. Même ça, c'est comme du biscuit. Ça se propage beaucoup. C'est pourquoi il y a beaucoup de sorciers à l'école. Faites très attention. Dans tous les milieux aujourd'hui, ils sont positionnés là. Mais nous ne sommes pas là encore pour parler de ça. Déjà, vous voyez des bougies. Dès que vous êtes dans un endroit, vous voyez des bougies. Même si c'est à l'église, vous voyez beaucoup de bougies. On vous dit que vous faites telle prière. Il faut avoir des bougies. Faites vraiment très attention à ça aussi. Parce que ça, c'est autre chose. Comme vous voyez ici, voici une femme qui est là au fond comme ça. Elle a plein de bougies. Et on ne sait pas ce qu'elle fait. Elle est seule de le noir. Qu'est-ce qu'elle fout là? Elle s'apprête à invoquer les trucs. Et cette chose va sortir. Même du monde des ténèbres, c'est un démon. Et ce démon ne rigole pas avec les gens. Quand il arrive, il vient faire son job. Et comme vous le voyez, vous pouvez même voir, souvent même sur les marabouts, les féticheurs, même les occultistes, les satanistes, on voit des crânes humains. C'est pourquoi on vous demande beaucoup d'éviter les têtes de mort. Les vêtements et les têtes de mort. Vous êtes en train de faire des trucs même que vous ne connaissez même pas. Les bagues de mort. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Abandonnez toutes ces choses. Donc ici, on a des bougies encore. Toujours après des bougies, des cartes. Dieu lui-même nous demande de ne pas visiter les personnes qui invoquent les esprits. Les médiums, tous ces genres de personnes-là.
sont des gens qui travaillent pour le diable en bonne et due forme, en âme et conscience. Faites attention. Et quand vous avez été à droite, comme vous voyez, ça vous transporte dans un autre monde. Quand tu arrives sur le féticheur, tu vois le féticheur, tu vois le marabout avec les fétiches à côté. Toi, tu n'as pas idée que dès que le féticheur va commencer à faire ces trucs, les démons vont apparaître. Et ce sont les démons qui vont apparaître là, qui vont maintenant parler au féticheur, au marabout. Et ils vont écrire ton nom dans les livres. Et ils vont partir avec ça. C'est comme ça que ça marche. C'est pourquoi tous ceux qui ont rendu visite à ces gens de personnes, il faut forcément que ces gens-là se confessent et qu'ils demandent à ce qu'on prie pour eux. Parce que quand vous êtes là-bas, ça vous pose vraiment dans un autre monde. Et c'est comme ça. Et ça va avoir forcément des effets sur votre vie. Regardez ça. Ceux qui ont les yeux spirituels peuvent comprendre ce que nous sommes en train de vous dire. Et c'est le troisième œil. Ils appellent ça l'œil de le troisième œil de perception. The all-seeing eye. L'œil qui voit tout. Nous chez nous on dit souvent même l'œil qui voit rien du tout. Mais c'est pas de la blague. Un sorcier peut voir. Le diable peut voir. Même au-delà du mur. Mais vous devez comprendre que Jésus-Christ est Seigneur. Quand vous voyez ça, ça vous plonge dans un autre monde. Évitez de visiter des personnes qui vous parlent de génie ou de la facilité. Regardez ça. Les gens sont allés voir les marabouts, les génies, les féticheurs, les occultistes. Et eux-mêmes, ils ont été possédés par les démons qui sont sortis du rituel. Les démons qui ont été invoqués. Et regardez le résultat. Regardez ça. C'est triste. Il y a des gens qui ont les yeux spirituels parmi nous. Et avec les yeux spirituels, ces gens-là peuvent voir bien au-delà de tout. Et vous voyez le petit trou rond qui est là. C'est genre pour montrer qu'il y a un truc qui a eu lieu. Il y a un rituel. C'est l'heure du rituel. Ces yeux se sont ouverts. Parce que quand vous recevez la sorcellerie, vos yeux s'ouvrent. Pour que vous puissiez voir bien au-delà de ce que vos yeux physiques voient. Et regardez ce que ça donne. Tout le monde est là tranquillement en train de regarder les choses. Et lui que vous regardez, il voit autre chose. Il voit même vos parents qui sont morts. Regardez, il est tout pareil. Vraiment, c'est terrible. Et le diable donne ces gens de Dieu aux sorciers ou aux satanistes juste pour les armer. Parce que nous sommes en guerre. Une guerre entre le bien et le mal. Quand vous allez voir les médiums, les féticheurs, les marabouts, pour avoir quoi que ce soit venant d'eux, vous prenez part à cette guerre et vous choisissez votre camp. De quel camp êtes-vous maintenant? Êtes-vous du camp du bien ou du camp du mal? Personne ne sait. Parce que ici, même dans cette image, on voit bafouer un démon. Lui seul, il est à moitié homme et il est à moitié femme. Les gens participent à des rituels. Et devant ce démon-là, les gens viennent se prosterner afin que ce démon-là puisse leur offrir la gloire, le succès. Des hommes et des femmes y font. Et c'est réel. Un démon sérieux que les gens sont adorés dans ce dernier temps. Et c'est pas le seul. Hein. C'est pas le seul. Regardez. Et ça a l'air simple. Ça ressemble beaucoup à de la rigolade. Regardez même la fille. Et ça, c'est tiré d'un film. Dans le film, ça avait l'air simple comme ça. Personne ne savait que la statue même que tu. Qu'on voyait même dans le film comme ça, c'était même un démon qui était là, la représentation d'un démon, qui le savait. Et les gens vont voir les féticheurs pour toutes ces choses, l'argent. On voit courir sur le porte-monnaie. On appelle ça le porte-monnaie magique. Et les gens font des rituels. Regardez, à chaque fois, il y a des bougies rouges. C'est bizarre. Au centre de ce cercle, là, vous voyez deux triangles inversés. Ils appellent ça le pentacle. Ou encore l'étoile de David, non? Et c'est exactement ce qui se passe quand les gens font des films. Ils vont positionner les films d'horreur ou quoi que ce soit au milieu d'un truc pareil. Et ils font des prières sataniques pour que les démons puissent posséder leur objet
et que les gens qui vont acheter le film puissent être possédés. Et regardez, vous voyez le porte-monnaie ici, n'est-ce pas? Est-ce que c'est le porte-monnaie qui donne l'argent? Non, c'est pas le porte-monnaie. C'est plutôt l'esprit, ou encore le démon, qui est invoqué lors du rituel, lors de la cérémonie. C'est ce démon-là qui possède cet objet-là, afin que cet objet-là puisse produire ce que vous allez même utiliser pour nourrir peut-être votre famille. Vous voyez ce problème. Regardez le courrier qui est dessus là-même. J'ai pu symboliser que ce porte-monnaie n'est pas un porte-monnaie comme les autres. C'est un porte-monnaie qui vient des esprits ou même des démons. Regardez. Et regardez. On voit un génie. Un génie qui est juste là-bas. Et tout le monde le voit comme ça. Déjà que vous avez là-bas, vous voyez ça. Vous pensez que c'est un blague. Le marabout va pas manquer de te dire que ce sont les génies qui vont faire le travail. Et ce sont eux qui doivent accepter votre offrande. Toi, tu te diras non, ce sont les histoires. Et que toi, ce que tu cherches, c'est de l'argent. Mais ta fin sera grave. Donne ta vie à Dieu maintenant. Parce que le diable, il est bien là. Et il est tapis dans l'ombre. Si tu vois même son vrai visage, tu auras même peur. Tu auras peur. Mais tu vois de l'argent et les plus de banques, c'est devenu. Si tu allais voir les féticheurs, c'est le moment de te répondre avant qu'il ne soit trop tard. Cher Jésus, la parole de Dieu vient à nous chaque jour. Nous devons l'écouter. Lis la parole de Dieu, mon frère, lis la parole de Dieu, apprends. Ceux qui ont abandonné la parole de Dieu qui sont morts et qui se trouvent face à ces démons-là, ils sont tous en train de crier. J'ai besoin de lumière, j'ai besoin de lumière. Je cherche quelqu'un pour me prêcher. Où est le pasteur? Là où tu es mort, je cherche le pasteur. De ton vivant, on te parlait des vraies choses, tu pensais que c'était de la blague. Regardez ceux qui ont coûté, ils sont bien. Parce qu'ils ont décidé d'affronter les difficultés de la vie pour réussir. Et ne pas entrer dans les rituels n'importe comment, faire n'importe quoi. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Les gens ont oublié même que Jésus-Christ a marché sous l'eau. Les gens ont oublié. La même c'était une personne qui dit, oh, Jésus dit, il revient depuis là, on ne le voit plus, il a plus revenu. Mais pour eux, c'était, vous voyez le diable. Regardez. Le Seigneur Jésus-Christ était fort quand même. Bon, il est toujours fort. En fait, c'est Dieu lui-même qui faisait tout. Dieu a tout fait pour nous. Préparons-nous à aller au ciel. Préparons-nous vraiment à aller au ciel. Moi, je vais y aller. Si tu es prêt, si tu veux y aller là-bas, clique sur j'aime. Et dans ton comportement, améliore beaucoup de choses. Pour que tout devienne à ta faveur. Même si c'est par la grâce de Dieu que nous tous ici nous serons sauvés. Quand tu vois, on voit Jésus là-bas qui est tout de rire. Ah, c'est quand Jésus ça. Les gens sont venus pour les trucs bizarres. Regardez. Ouh. Qu'est-ce que c'est ce truc? Bien. C'était une courte vidéo pour vous. Juste pour vous rappeler certaines choses. Ne manquez pas qu'une autre vidéo va suivre. Où vous allez voir cette affaire de portefeuille magique. Même vous allez voir un marabout qui va vous expliquer des choses par rapport au portefeuille magique. Et tant de choses terribles. Vous serez même surpris parce que vous avez un don. Abonnez-vous et partagez cette vidéo. Si vous voulez nous soutenir par les dons, vous pouvez le faire. C'est vous qui décidez. Mais le plus important, c'est de donner votre vie à Jésus-Christ. Mais t'as dit, c'est mon Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-moi. J'ai ignoré, seul le voir ces gens-là. Pardonne-moi aujourd'hui. Et délivre-moi de tous mes problèmes. Amen. Dieu va t'aider aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la maintenant. C'est parti. Nous avons trois chaînes aussi. Vous pouvez vous abonner sur Yann 2, Yann 3. Et Yann série. Cliquez juste dessus celle de sur Yann. Et allez sur la page d'accueil. Vous allez tout voir là. Merci. Waouh, c'est extraordinaire. Mes frères et sœurs, pour ne pas manquer la prochaine vidéo, cliquez sur s'abonner si ce n'est pas encore fait. Et cliquez sur la cloche pour l'activer. Et si vous cliquez sur j'aime, ça nous ferait énormément plaisir. Et tous ceux qui veulent également faire des dons pour nous soutenir, en dessous de cette vidéo, dans la partie description, se trouve toutes les informations qu'il vous faut pour faire des dons. Nous vous recommandons de faire des dons via Seigneur. Waouh! Merci.